Bonsoir à la une de l'édition du jour. Les proches d'Al-Jamil Saïd et plusieurs unités de la police mettent les bouchées doubles afin de le retrouver. L'habitant de Vakwa, âgé d'une vingtaine d'années, a été aperçu pour la dernière fois le 18 novembre dernier. Fait intrigant, hier, sa moto a été retrouvée à proximité du réservoir Marlong. Les recherches dans la région sont toutefois restées vaines. Malgré le fait que les avocats de Navin Ramgoolam avaient objecté à la production de ces dépositions en cours, celles-ci ont bel et bien été produites devant les magistrats ce matin, notamment trois dépositions dans le cadre de l'affaire Roche-Noire. Le procès reprendra la semaine prochaine. Julien Nicolas reste en détention. Le chauffeur de camion impliqué dans l'accident qui a coûté la vie au motocycliste Yannick Dumazel à Bambou a été traduit devant le tribunal ce matin. Le trentenaire, qui s'est constitué prisonnier 24 heures après les faits, est provisoirement accusé d'homicide involontaire. Merci de nous être fidèles. Bonne soirée à tous.